報告。花のリプログラム機能を使い、得意点ゼロは契約という新たな概念を生み出した。この分岐が後世にどのような影響を与えるのか、引き続き経過観測を行うものとする。M3250E0970FL 記録終了。Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session Drakengard 3 sur la chaîne. On continue l'aventure et nous en sommes désormais à la dérivation C. Après avoir vu la fin A et la fin B, c'était incroyable et ça a amené tellement plus de questions que de réponses. Donc on l'imagine là, c'est le moment où on nous amène absolument tout. On va arrêter les anglicismes. Quelqu'un a dit quelque chose sur le live, c'était Ruzakov qui nous a dit on va se faire psychopuler et ça va être absolument incroyable. C'est parti. Bunki, Shikero. 西暦1000年4月13日非常に危険な分岐を観測した。得意点トゥがドラゴンミハイルを捕獲した際、トゥによるミハイルへの魔法干渉を確認。ゼロ以外がミハイルに干渉するのは前例のないケースであり、想定外の事故が発生しかねない。監視重要度を上げて経過を確認する必要があるだろう。 M4110E0020DM 記録開始。On veut des réponses! Aïe 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 aïe. Mais oui, effectivement, c'était bizarre. Donc là, on rappelle, hein, c'est la scène où y a Mikhail qui a bouffé littéralement tout. En mode genre... Ah oui, au fait. Et c'était un peu étonnant, ouais. Quoi, des cheveux dans tes fesses? Hein, quoi? Ça y est, à peine arrivé, déjà ça commence. Alors, on n'a pas forcément les meilleures armes de la Terre, je précise une chose, c'est que là, ça va commencer à être un peu difficile. Et c'est vrai que bah, le farm est absolument pas fait, quoi. Donc, concrètement, je vais pas trop galérer, mais quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus la chaleur. Effectivement, ouais. Alors qui va être là? Qui va être là alors qu'il ne devait pas être là? Est-ce qu'on va avoir des petites choses comme ça qui vont amener de la variation un peu? Ah, me dis pas qu'ils ont amené une feature de gameplay sur le... Enfin, une possibilité de jeu. Sur... on va arrêter les anglicismes pour de bon, hein, ça y est, motivé là. Je sais ce que j'allais dire du coup, oui bref. Oui, sur la mécanique avec l'eau quoi. J'espère que c'était vraiment pour la blague. Hein. Et pas plus que ça. Voilà pour toi. Alors par contre, je crois que j'aurais dû changer de perso avec moi. Prochaine mission, vous hurlez sur le chat pour qu'on change de disciple. Évidemment, c'est très important parce que sinon, on n'aura pas toutes les armes. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on se bat, en fait, on fait monter un compteur avec les... qui est invisible, hein, avec les alliés. Et en gros, au bout d'un certain nombre de combats qu'on fait avec eux, on va récupérer une arme en conséquence, si jamais voilà, on passe à certains seuils. J'en ai déjà récupéré deux, mais du coup, il me manque les deux autres pour le moment, donc c'est pas encore tout à fait fait. Allez. C'est bientôt fini. C'est moi, il était en train de voler. Ok. En deux minutes, on va voir ça. Alors, ce qu'on va tenter, c'est peut-être pour la première fois depuis le début, utiliser une potion de force, une potion de défense, histoire de se dire que, voilà, on met toutes les chances de notre côté, quoi. Comme ça au moins. Oui, la différence n'est pas non plus hallucinante. Allez, tu tapes. Et donc là, faire très attention aux projectiles, évidemment. Ah
Et normalement c'est quasiment un de fait là. Ah, pas sûr. Si, un de fait, ok. Ah, c'est lui qui m'en... C'est bon ou pas? Non, toujours pas. Mais non, il m'a mis tellement cher. On se retransforme, c'est pas grave. Allez, les imps sont cuits. Plus que les sorciers. Plus que deux sorciers. Et ces fantômes de l'enfer. Non! Pas comme ça. Ok, ça c'est fait. Je savais que je l'ai pas aimé. Non, 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 non. Détends-toi tout de suite. Tu voudrais que ça passe en 3 secondes, mais ça ne passera pas en 3 secondes. Ça me rappelle un sombre boss de Sekiro, ce truc-là. Mais c'est bon, c'est passé. Bon, désolé, j'ai un peu concentré, mais c'était galère. Petit moment blabla, mais toujours important et nécessaire. Lui, il est vraiment bizarre. いや、違います。この感覚は未入るへの呪いですな。まさか未入るの対価は呪いの影響だと。くそ、誰が誰だ。ふざけた魔法をかけた奴は決まってるじゃん。そんな強力な呪いは歌姫にしかかけられないよ。 あの、ぶっ潰す。おい、ミハエル。お子ちゃまがさらにお子ちゃまに逆戻りだな。やめなさい、ディト。僕、使えない子供に戻ったの？そんなことないよ。ゆっくりお休み。うわ、気持ち悪い。 そういう無責任な道場が世界を不幸にするんだよ。思わしくありませんね。誰が？ミハイルですよ。On va aller voir ce que lui a à dire directement. ゼロ、ごめんね、ごめんね。無駄に謝るな。悪いと思うなら。 早く良くなれ。うん。僕、良くなりたい。強くなりたい。こんな弱いの、嫌だよ。僕はゼロを守りたいのに、こんなに弱いの、嫌だよ。もう寝とけ。行くぞ。はい。一刻も早く、トゥー様を見つけましょう。ゼロ？君はここで休んでろ。
謝る必要がどこにありますか。そうそう、謝る時に頭を下げすぎると、むしろ失礼に当たるって、どっかの何かのマナー的な書物に。はいはい、もういいよ。ゼロ、出発しよう。 Bon, encore une fois, des choses assez intéressantes hein, du côté des, comment dire, des réflexions des persos et tout ça. Après, je vous cache pas que moi, ça m'interpelle vraiment cette histoire de malédiction de Mikhaïl, mais surtout, ce qui m'interpelle, le plus, c'est un truc tout bête, c'est vraiment cette dimension de dérivation, en fait. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut parler de dérivation, parce que généralement, quand t'as un truc comme ça, un peu temporel, où le temps se split, c'est parce que t'as un événement qui va générer peut-être plusieurs timelines ou quoi, mais pourquoi... Pourquoi est-ce qu'on choisit ces événements-là en particulier et qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux en fait pour qu'on parle vraiment à ce moment-là de dérivation et pourquoi pas, je sais pas moi, au moment où... juste le tout début en fait par exemple ou éventuellement, j'en sais rien moi, il y a tellement de choses en fait. Chaque combat de boss finalement avait un truc un peu bizarre et étonnant et en fait pourquoi là c'était plus bizarre que lui bouffe machin et pourquoi ça crée une autre timeline en fait. C'est pour ça il y a plein de petites choses comme ça qui je trouve sont assez intrigantes. Alors j'espère que c'est les choses pour lesquelles on aura des réponses. J'en doute pas trop mais j'ai un peu peur, je vous cache pas, j'ai un peu peur de ce truc là, c'est-à-dire de... C'est magique quoi, voilà. C'est juste le côté, c'était là parce que c'était là et puis on n'en parle plus. Donc j'espère qu'on aura des réponses qui vont nous apporter un petit peu de densité, on va dire, d'univers là-dessus, même si je vous cache pas que je doute un peu, mais je suis confiant malgré tout quoi. Alors on va faire un peu l'XP quand même. On en aura besoin. Surtout si on se tape un boss final assez énervé. Si on peut se faciliter un tout petit peu la tâche, ça sera pas trop. Ah non! Pourquoi tu fais ça? C'est tellement les pires sauts de la Terre en plus ce jeu. Du coup, ce genre de phase là, ça sonne comme une malédiction quoi. Voilà, pour de l'or et toujours de l'or. Ce qui est toujours intéressant ceci dit parce qu'on doit acheter les armes, hein, je rappelle. Et moi qui ai osé dire que ce niveau avait l'air court, bon sang. Regardez ce rush infernal. Non. Étonnamment, un boss qu'on a déjà combattu. Je m'attendais pas à ça, vous voyez, bizarrement. Je suis surpris. Vas-y Mikhaïl, envoie du rêve. Bon ou pas. Y'a peut-être pas besoin. Non bah Mikhaïl, désolé, t'es arrivé trop tard. Ah, une tête. Nos limites. Vraiment nos limites. Le jeu est sponsorisé par Emco quoi. C'est vraiment... C'est donc ça ce fameux jeu vidéo écologique dont on m'a parlé il y a des années. Oh là 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 là. Oui, on a bien vu la démarcation des têtes, c'est vrai. Allez. Le recyclage. Ouais, mais dites-vous bien quand même que c'est la deuxième c'est la troisième version d'un mob qu'on a vu du coup plusieurs fois, qu'on vient d'affronter, qu'on réaffronte dans la minute quoi. C'est vraiment... sans trop fort. C'est vraiment trop fort. Circuit très court. Ah ouais, là ouais. Ah. Dragon no Taika. Shito to Utautai no Bunri. Kono Bunki wa... 記録に値するイレギュラーが起きてますね。
Mais qui es-tu ? Serait-ce un nouveau personnage ? Mais oui ! Qui nous étudie en plus de ça. Et qui a l'air d'être très univers différent, vu les fringues et tout ça. On sent qu'il y a des origines pas forcément communes. Ah, voilà qui fait plaisir. Et ben voilà qui fait doublement plaisir. Regardez ça, toutes ces armes qui se cumulent et qui semblent nous indiquer que ça y est, on n'est pas très très loin de tout avoir pour pouvoir, eh bien, déverrouiller ce fameux cheminement D. 報告。ゼロを中心とする特異点群から変異が強く観測されている。調和をもたらしているはずの竜、ミハイルが退化するなどの異変も確認。歌うたいや使徒たちの精神も不安定な状態になっている。フォールダウンの予兆がないか慎重に調査を行うように。M5110E0020DM, kirok, kaishi. Ah. Tu! Aitsu ni kaketa noroi wo toke! Tu! Koro.Dur. Dur, dur, dur. Allez, combat! Oula! Waouh! Oh, les dégâts! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup là? Oh, le contre! Ah, d'accord. Deux fois de suite en plus. C'est quoi? Regarde. On va faire ça comme ça, ça va être réglé en deux secondes. Transforme-toi, comme ça on voit ta transfo, elle est jolie, voilà. Ça fait très FF9. Ce combat qui n'a aucun sens. Allez, tue! トゥー様。これは逃げろ罠だ。これが狙いですか。なんという罰。なんで嬉しそうなんだよおっさん。セント。はい。ここにいます。Dans un moment dramatique incroyable, un reste de petite voix du combat d'avant s'est tombé à propos. Voilà qui est bien dommage. Alors, juste au cas où, on va quand même regarder parce qu'il est pas un peu... Ah, on écoute.
Et donc le fameux coffre avec l'arme. Très bien. Allez, on enchaîne. Wouah! Ah, cette zone! C'est sombre. C'est très sombre. Ah ouais, c'est impressionnant. Oups, j'ai glissé. Lisez bien le scénar, hein, ça a l'air important. Je les tue pas parce que ça donne 1 XP comme vous le voyez, donc c'est pas très pertinent de faire le combat. La musique elle a l'air assez dingue, hein. Allez, c'est parti. Enjoy.歌うたいはこの世界に害悪をもたらす存在だ。いずれ人類を滅ぼす最悪となるだろう。ゼロが私たちを殺すのは世界のため。あなたは全ての歌うたいを殺した後、自らも死ぬつもり？なんだろう。 そこにいるドラゴンを使って。そこまで物分かりがいいなら話は早い。ゼロ、ねえ、どういうこと？幸いにも私も同じ結論に達した。私たちはこの世界には不要だ。じゃあ死んでもらおうか。 あなたの右目に咲いている花が元凶なことは分かっている。その花は世界を破滅に導くまであなたを死なせないだろう。ふん。つまりこういうこと。二人とも死ぬ覚悟はあるが、お互い信用できないから先に死んでくれと。そうだ。 奇遇だな。私も全く同じ考えだよ。ワン。歌え。アブディエル。 Bon, en tout cas, la mise en scène est extrêmement soignée et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Mais là, on est là pour tuer. Attends. Mais non, mais envole-toi. Aïe, c'est terrible. Quand il est là et qu'il met sa vie à relancer une action, c'est toujours un peu compliqué. Esquive. Bien.
Après, on est d'accord que... Ouais, non, ça change rien. C'est vraiment... Mais non, non, mais l'autre qui le défend, mais au secours. Mais non, pourquoi je fais ça? Ah, j'y arrive pas, hein. Si, c'est bon. J'arrive pas à faire mes charges, en fait. Après, je peux tenter un truc comme ça, peut-être que ça va aider. Parce que là, effectivement, ça tamponne sévère. Ah! Ça y est. Oh la vie, mon dieu. Bien. Alors, dans lequel? Lui. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Donc là, c'est bon. On peut détruire. Alors, ironiquement, les autres me laissent faire un peu ma vie. C'est bizarre. Bien, fais ça deux fois et c'est fini. Alors, là en bas, à droite, à gauche, à droite, ici. Mais non, lui. Voilà, 1, 2, et 3, c'est bon. C'est fini. C'est pas fini. Zéro. Sais-tu le daro? Chanter le daro. 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 Oh, la musique!
Allez, on achève. C'est fini. ミハエル、君がいなくなったら誰が私を殺せる。 On a changé de thème, hein. Et quelle fin étonnante. Très très bizarre cette fin, très 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 bizarre. Assez indescriptible. Je suis désolé, j'ai rigolé, mais... Quand j'ai vu dans le chat quelqu'un qui dit « Allez, vomir, c'est repartir !» C'est désolé, c'est mon humour. Allez, on regarde la scène post-crédit. La musique est très très belle, je vous laisserai l'écouter de votre côté éventuellement, si vous la voulez en entier, évidemment elle sera très simple à retrouver. On passe à la ciné. 報告。歌うたいゼロは目的を果たした。だが、ドラゴンミハイルは消失し、ゼロの精神的均衡も危ぶまれる状態になっている。この先の時間軸にも 問題解決の糸口があるとは考えにくいため、本分岐の封鎖を提案する。 M5120E0945FL 記録終了。